Bonjour à tous. Là, ça va être un petit tuto très court, très simple pour ceux qui débutent juste, mais c'est important parce que ben, je peux vous dire qu'il y en a qui ont cherché pour ça. C'est comment réaliser un dégradé de couleur comme ça. Voilà, ou vertical, ou vous allez le voir, ou horizontal. Vous voyez que je peux, on va le voir, changer. Hop, vous voyez, dans l'autre sens. Allez, on va sortir le cube ici et on va recommencer. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. On va se mettre ici, je vais ajouter un cube. Un cube, alors je vous dis un cube, ça peut être n'importe quoi, évidemment, ça va marcher. Surtout le cube, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir avoir les deux sens. Voilà pourquoi je mets un cube. J'aurais pu partir d'un cylindre. D'ailleurs, je vais en mettre un à côté. Hop là. Voilà. Comme ça, on lui mettra la même texture aux deux. Alors là, on va faire nouvelle, ici, nouveau. Hop. Donc voilà, nouvelle texture. On va ajouter, vous allez ajouter en entrée les coordonnées de texture. Voilà, vous allez ajouter un convertisseur dégradé de couleur, ici. Voilà. On va lui mettre plusieurs couleurs. Donc là, à part à la place de la noire, je vais mettre un bleu par exemple. À la place de la blanche ici, je vais mettre un rouge. Et puis on va faire bleu, blanc, rouge, non? Et je vais remettre une de plus au milieu. Et là, je vais mettre je sais pas, un vert. Et voilà. Ça va faire le truc, voilà. Ça va dégrader pas mal les couleurs. Et ici, je vais laisser en linéaire pour l'instant, mais on va mettre même en constante. Voilà. Ça va, pour départ, ça va mieux se voir. Et après, comme ça, voilà, on fait ça en équilibre. Je le mettrai en fondu pour bien vous montrer, parce que c'est quand même un dégradé de couleur qu'on fait. Donc, bon. Ici, vous mettez en généré, et ici, voilà. Donc là, si on regarde, apparemment, on va avoir n'importe quoi de fait. Voilà, vous voyez? Voilà ce que ça fait, d'accord? Moi maintenant je veux que ça se mette en dégradé, donc pour ça il va falloir ajouter ici un convertisseur séparé X, Y, Z, tout simplement. Vous venez le mettre là, et vous voyez là par exemple je suis sur X, le dégradé se fait sur X, si je passe là il va se faire, vous l'avez deviné, sur Y, et si je passe là il va se faire sur Z, d'accord? Si je mets la même texture à celui-ci, voilà, hop là, voilà le truc. Donc, allez, là on va faire, voilà, vous passez ici par exemple en fondu ici, pareil pour l'autre. Oh, ça m'a fait là. Ça va séparer les textures. Hein. Ah ouais, mince, je l'avais pas vu. Et, voilà, on va mettre le même aux deux pour que ça fasse pareil sur les deux. Voilà, si je vais passer sur Z ici maintenant, vous voyez, j'ai bien un dégradé comme ça, et voilà. Vous pouvez après le régler ici, évidemment, après mettre, vous voyez, pour la hauteur. Hein. Pour le mélange aussi. Alors, vous pouvez changer ici le mode d'application. Donc là, on est en fondu, cardinal, vous voyez, ici. Spline, je sais pas. Ah ouais, ça mélange davantage là. Et constante, évidemment, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc ben voilà, vous avez. C'est extrêmement facile à faire. Et ici, vous pouvez même venir inverser, si vous voulez, ici. Et inverser le dégradé de couleur. Voilà. Rétablir les marqueurs uniformément. Voilà.
ou vous pouvez aussi distribuer les marqueurs depuis la gauche. Voilà. Ok, bon, c'est sûr ce que vous voulez faire. Voilà pour le dégradé de couleur. Tout simple, tout bête, mais ça, si on ne vous l'explique pas, vous ne pouvez pas le deviner quand vous débutez. Donc, c'est pour ça que des petits tutos comme ça, de temps en temps, quand ça me vient dans la tête, ou que j'utilise quelque chose pour moi, eh bien, je pense, je faisais comme ça avant, je vais toujours faire pareil. À chaque fois, partager avec vous pour vous aider. Voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté, puis à très bientôt, au revoir.